Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 28 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs hétérodoxes. Et pour ce 36e épisode, nous avons la chance pour une nouvelle fois d'accueillir Annie Lacroix-Rize. Bonsoir Annie. Bonsoir à tous, bonsoir Renaud. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie, j'espère qu'il en est de même de tous les auditeurs. Merci, je l'espère aussi. Donc, je rappelle rapidement, donc c'est le 4e épisode, mais je me permets de vous représenter rapidement. Donc, Annie Lacroix-Rize, vous êtes historienne française, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7, Denis Diderot, ancienne élève de l'École normale supérieure, docteur S. Lettres, spécialiste des relations internationales dans la première moitié du 20e siècle et de la collaboration. Vous avez notamment écrit sur l'histoire politique, économique et sociale de la Troisième République et du régime de Vichy, sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la non-épuration, sur les relations entre le Vatican et l'Allemagne nazie, ainsi que sur la... Non, l'Allemagne, l'Europe. L'Europe, sur l'Europe. Nazie, parce que ça commençait à la fin du 19e siècle et ça allait à la fin du règne de Pie XII. Donc, c'est pas l'Allemagne toute seule. Bien que l'Allemagne occupe dans l'affaire un rôle considérable. Tout à fait. D'ailleurs, je me permets de corriger ma notation. Et d'ailleurs, voilà un livre, Le Vatican, l'Europe et le Reich, écrit par Annie Lacroix-Rize. Donc, j'ai corrigé mes petites notes, ainsi que la stratégie des élites politiques et économiques françaises avant et pendant le conflit mondial. Voilà. Vous êtes... Alors, il faut montrer, parce que celui que vous montrez est épuisé, je crois, depuis Belle Lurette. Il doit être trouvable. Il doit être trouvable. D'occasion, on l'a acheté d'occasion. Mais c'est celui-là qu'il faut lire, qui a été publié en 2010, où on voit Pie XII... Devant votre visage, Annie. Ah, pardon. Voilà. Où on voit Pie XII, ah, ça doit briller un peu. Non, ça va. Le Vatican, l'Europe et le Reich. On voit Pie XII en tenue blanche recevoir un lot de soldats de la Wehrmacht, ces soldats allemands qu'il aimait tant rencontrer et pour lesquels il éprouvait tant d'affection. C'est une photo qui date de 1942. Et alors, ça a l'avantage, outre que, évidemment, c'est achetable normalement, ça a l'avantage de comporter des modifications parce que la première édition était de 1996, la deuxième était de 2010. Et entre les deux dates, outre que moi j'avais fait des recherches supplémentaires, en particulier sur les années 30 et les années 40, mais il a été publié énormément de choses sur la politique vaticane pendant la guerre et après la guerre, et en particulier sur l'exfiltration, ce que j'appelle le sauvetage-recyclage des criminels de guerre, dont on peut considérer sans excès aucun que le Vatican, que ça a constitué l'activité essentielle du Vatican entre 1943 et surtout 1945 et 1955. Ça a été une longue affaire. Mais enfin bon, ça n'est pas aujourd'hui le sujet de notre entretien, mais on va à la veille de la guerre tout de même être obligé de faire allusion à la situation internationale, parce que cette situation internationale a été un élément du traitement des populations, et par conséquent, puis on ne peut pas évidemment évoquer une occupation par un envahisseur et les circonstances qui en résultent à l'intérieur sans avoir dit quelques mots de la manière dont cette invasion s'était en quelque sorte préparé, et pour ce qui concerne les années de l'entre-deux-guerres, et en particulier la crise des années 1930, il est clair que la manière dont les élites socio-économiques ont préparé l'arrivée de l'Allemagne est un élément majeur, non seulement de la situation internationale, mais incontestablement de la situation intérieure et des rapports sociaux entre ceux qui possédaient les grands moyens de production et d'échange et ceux qui ne les possédaient pas.
Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages de référence hein, sur cette période-là. Nous aussi. Tout à fait, mais voilà, c'est vraiment... C'est une donnée d'ailleurs. C'est une donnée très importante que l'utilisation du cléricalisme catholique dans les préparatifs, d'une part dans les préparatifs de l'occupation et d'autre part dans la gestion des populations pendant l'occupation. Merci. Et donc après... C'est pour ça aussi que le Vatican constitue une donnée absolument indispensable à la compréhension des phénomènes intérieurs et extérieurs en France et ailleurs. Merci. Donc après une première entrevue d'introduction, hein, de présentation du métier. Ah, je ne vous entends pas. Après, vous m'entendez ? Ah bah oui, évidemment que je ne vous entends pas. Pardon. Et oui. Ne vous inquiétez pas. Vous me dites, oui, c'est-à-dire que comme il y a fait un petit bruit extérieur, j'ai arrêté mon micro, donc j'ai arrêté mes haut-parleurs, alors je ne vous entendais plus du tout. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, après une première entrevue d'introduction, de présentation du métier d'historien, un rappel de l'importance primordiale de l'histoire, puis une seconde rencontre autour de la Première Guerre mondiale, ses raisons, le déroulé et le bilan, et enfin un troisième exposé il y a un peu moins d'un mois pour aborder de manière chronologique l'entre-deux-guerres jusqu'en 1936. Nous avons la chance aujourd'hui de vous accueillir, Anila Croiris, pour un nouvel entretien pour aborder les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle aussi à la communauté qu'on peut retrouver vos travaux, vos différentes conférences sur votre site historiographie.info qui sera évidemment affiché sous la vidéo ainsi que dans les commentaires. Donc je vous laisse nous parler de cette période, toujours dans cette démarche du front médiatique, de mieux comprendre l'histoire pour éviter qu'elle se répète et savoir aussi d'où on vient pour savoir où nous allons. Je vous laisse la parole à Annie.